sommes à la stratosphère où il y a une attraction qui s'appelle je ne sais pas quoi. Que tout le monde a déjà vu sur YouTube ou sur Dailymotion. Cette attraction, elle est spéciale. Démonstration en live and direct de Las Vegas. J'attends que ça commence. Voilà, donc là on a une vue sur le strip. Sur tout Vegas. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est quand même un sacré gros bordel. Et c'est parti, voilà, le nom c'est ça, c'est X-Cream. X-Cream to Las Vegas. Et c'est parti pour le pied qui descend. Voilà, les gens sont là. Enfin, ils ont arrêté au bord du truc, quoi. Descendre dans le vide. Je peux pas avoir peur. Et les vides, les places sont vides carrément. Il crie pas, hein. Ça n'est pas si peur que ça en fait, on aurait dû le faire. On aurait même dû filmer. Et de l'autre côté, il y a l'ascenseur. Welcome back. Thank you for riding X-Cream. Remember to pick up your personal belongings and damage. Your ride photos and discounted V-Rises are located inside. Have a great day here in Stratosphere, Las Vegas. C'est interminable. Vous
bien, ouais. Alors là, on est rentré au Venetian avec des répliques totales de Venise, comme on peut le voir tout de suite. On va se diriger au Grand Canal Shop avec la vraie réplique de Venise. C'est parti. Thank you.
semaine. Ouais. Putain, deux poissons. C'est énorme. On nage avec eux quoi, rien. C'est celle-là qui arrive, oui. Putain, j'ai jamais été aussi près d'une méduse de toute ma vie, quoi. Fais pas le flash, tu vas le faire toi. Ouais, il est beau, il est brillant et tout, c'est énorme. Ils sont cool, ils viennent pas. Ce qui est pratique entre chaque hôtel, c'est qu'en fait, vu qu'ils sont côte à côte, ils sont reliés par des shops. C'est-à-dire, c'est des couloirs, il n'y a que des magasins. Et en fait, tu te retrouves très rapidement d'un hôtel à l'autre sans avoir à sortir dehors. C'est pas le cas pour tous les hôtels, mais en tout cas, ça l'est. Là, par exemple, on est passé du Mandala Bay, et là, on arrive au Luxor. Et à mon avis, on est sous la pyramide, puisque, si je comprends bien, voilà ce qui s'y passe en dessous. Je sais pas du tout sur quoi donnent les chambres, ça doit être toutes ces petites lumières allumées là. Donc le Luxor, c'est l'hôtel un peu égyptien de Vegas. Donc on va retrouver tout ce qui est pyramide, obélix, sphinx, etc.
L'explosion volcanique du Mirage. Comme chaque hôtel a sa petite spécificité, son petit spectacle, son petit show, le Mirage, lui, c'était le volcan. Donc là, je vais traverser la rue avec comment il s'appelle déjà celui-là, j'ai oublié son nom, le mec qui a Vanessa à Paradis là. Apparemment il a perdu son bateau et il s'est retrouvé sur le bord de la route. Jack Sparrow, voilà, Jack Sparrow à Las Vegas. Comme quoi ici on trouve tout le monde, hein. Jack Sparrow. Hey Jack, how are you? Fine? Good. Jack, mon pote. Chocolat.
la dame elle nous a donné un M&M's. Celui-là il est carrément à la fraise. Il y a un goût de fraise. C'est ouf hein. En fait je mets des petits sacs. Et tu remplis tes sacs. Donc là mademoiselle va faire ses petites courses. C'est mon univers. L'univers d'Aquila. Mais le bout, c'est bizarre parce qu'on dirait que les M&M's, je fais plein de chocolat.